Donc un réseau humain n'est pas forcément, c'est pas une notion informatique. Il n'y a pas besoin d'informatique pour faire un réseau humain. Des individus qui entretiennent des relations entre eux de manière ultra traditionnelle, tout simplement en se parlant, en discutant ensemble, en se voyant de temps en temps, c'est un réseau. Hein. Donc la notion de réseau humain, c'est pas les réseaux sociaux dans la version 2.0 qui ont inventé la notion de réseau humain. Quand je veux dire, les réseaux humains ont toujours existé. Ça s'appelle un groupe aussi. Hein. Mais fondamentalement, la véritable nouveauté, entre guillemets, c'est la démocratisation d'utilisation de ces technologies. C'est ça le véritable phénomène. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça entraîne un certain nombre de modifications comportementales, sociales, sociétales. Et c'est là où on peut parler de 2.0. C'est-à-dire que dans les véritables phénomènes que l'on peut observer, oui, là où le collaborateur ou le citoyen était un consommateur d'informations, il devient un producteur d'informations. Donc il échange, etc. Bon, ça, c'est une véritable nouveauté, mais c'est une nouveauté sociale, c'est pas une nouveauté technologique. Je ne sais pas si on gère un réseau en tant que tel. Il y a des outils qu'il y a aujourd'hui, et ce qu'on a mis derrière le vocable du 2.0, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont devenus les supports d'un certain nombre de réseaux. Mais le réseau peut exister indépendamment de ces outils. Alors tu as des outils qui sont extrêmement classiques aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux d'entreprise, hein, mais c'est quoi? C'est un certain nombre de fonctionnalités qui sont mises à disposition des individus pour faciliter l'exercice du réseau, ou faciliter son entretien, le fait qu'ils vivent et que ces échanges entre ces différentes personnes puissent se réaliser. Et donc du coup, on a quoi? La possibilité de poster des informations, des images, des vidéos, etc. De décider auprès de qui on les partage, etc. Mais fondamentalement, le réseau existe indépendamment des outils sur lesquels il s'appuie. Donc la notion de réseau, et je pense que pour le coup, les technologies qui modifient un peu les frontières de l'entreprise, qui deviennent plus poreuses, ça nous invite à réfléchir à ça. C'est-à-dire que ça invite la direction des ressources humaines et l'ensemble de l'entreprise à considérer que sa main-d'œuvre ou le talent, le vivier de talent dont elle dispose, n'est plus simplement un cercle fermé et étanche que sont ses seuls collaborateurs, mais un ensemble qui est beaucoup plus vaste. Et c'est en ça qu'il y a une notion de réseau. Parce que un salarié, c'est aussi un citoyen, et son entreprise, ça n'est que l'un des réseaux auxquels il appartient. La granularité des réseaux a changé, ça devient l'individu. Et l'individu a de multiples appartenances, et ce sont celles qui sont capables de fédérer, qui arrivent à transformer l'énergie des individus. Et donc fondamentalement, une entreprise, elle est confrontée à ça. Mais c'est une question qui existe depuis la nuit des temps, c'est comment fait-on pour faire en sorte que l'énergie, l'engagement, les efforts qu'une personne est prête à consentir se fassent dans une perspective qui est celle du projet dans lequel on l'invite. Ça s'appelle l'intelligence collective, hein, le défi qui est derrière. Comment fait-on pour qu'une personne accepte de produire des efforts dans une perspective collective qui s'appelle le projet? Contrôler un réseau de manière à l'orienter vers une direction qui serait celle que l'on aurait désignée ou choisie me semble être une utopie complète, et ce, a fortiori, que les réseaux dont on parle sont de plus en plus poreux. Et donc l'idée d'essayer de contrôler me semble être une utopie. On va contrôler un bout, mais on va être dépassé par la vague. Animer un réseau, c'est pas... Animer un réseau, ça n'est en aucun cas faire du bruit et gesticuler, et faire en sorte qu'il développe des relations sans qu'il n'y ait de sens à tout ça. Animer un réseau, c'est très simple. Avoir une finalité commune, avoir un projet commun qui fait sens pour l'ensemble des gens qui participent à ce réseau, et c'est d'incarner au quotidien et de faire vivre ce projet, et de faire vivre ce sens dans la vie de tous les jours. La direction des ressources humaines, je pense qu'elle a un rôle d'une part de fédérateur, et elle a un rôle d'éducation, au sens propre du terme. Elle doit faire la pédagogie du sens en permanence.
Est-ce que la vague du 2.0 va continuer? C'est une bonne question. Oui et non. Oui, en cela, il y a une évidente nécessité pour les entreprises de revisiter ce qu'ont été leurs modes d'organisation et de management, ou la déclinaison managériale de l'organisation, les plus traditionnels. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont devenus inopérants, en tout cas insuffisants. Ils étaient parfaits pour faire de la productivité, on a besoin d'innovation et on a surtout besoin de faire les deux en même temps, ce qui est un petit peu délicat. Par conséquent, on va avoir besoin d'introduire beaucoup plus de coopération, de transversalité, etc. Est-ce que, en revanche, on va basculer d'un monde vertical à un monde horizontal comme ce à quoi l'image du 2.0 nous invite? Alors ça, j'y crois pas du tout.